Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici cette année. Et je suis d'autant plus heureux que je suis escorté avec une traductrice de mérite. L'année de composition de cette œuvre est une année très sombre pour Liszt.
C'est une année où il a perdu de nombreux amis. Тот год, который было сочинено это произведение, имел очень большое значение для Листа. В этот год он потерял много друзей. Dont l'un de ses meilleurs amis était Chopin, justement. Это были его лучшие друзья, например, Шопен. Et donc, il est très marqué par la mort. И таким образом это произведение отмечено смертью. Ce qui explique que l'existence de cette œuvre. И это объясняет, что существование этого произведения. Où aboutit justement toutes ces sensations, toutes ces pensées. Объединило все его чувства, все его мысли. Qui sont des pensées, bien sûr, de souffrance et aussi de révolte. И естественно это мысли о страдании и о такой революции. On remarque toujours quelques allusions et un peu dans la musique aussi un hommage à la forme de Chopin. И в этом произведении всегда упоминают о аллюзиях на произведение Шопена. Bon, alors, le début. Ну, так, сначала. Première partie, il y a plusieurs parties dans cette œuvre. В этом произведении несколько частей. Qui sont très distinctes. Которые очень различны. D'ailleurs, Liszt a pris la précaution très rare. Il a indiqué une chose qu'on n'indique jamais dans une musique, introduction. C'est très rare, je crois que c'est la seule œuvre pour la première partie où il a indiqué introduction. Normalement, c'est un terme qui est utilisé pour la littérature. Et вот в этом произведении он для первой части использовал термин, который обычно применяется в области такого поворота. Pour que la note sonne toujours. Ça vient de très loin. Il va progressivement se rapprocher. Vous pouvez vous imaginer comment
progressivement, ça se rapproche, et ça va grandir.